deux l'ont fait, on va être capable. Le plus dur c'est la bascule, après c'est juste génial. À la fois c'est pour moi pour l'aventure et puis ce don pour Amnesty International, franchement. C'est très peu de choses en fait par rapport à toutes les causes que les gens qui défendent les droits de la de liberté, des causes de droits de la personne aux quatre coins du monde et des causes que Amnesty International appuie. C'est bien peu de choses que l'on a fait aujourd'hui par rapport à tout cela. Et on est très fiers de s'être associé à Amnesty International pour cette levée de fonds et d'avoir fait une petite contribution à notre mesure. En tout cas, je souhaite à plein d'autres personnes de vivre cette expérience excitante comme nous l'avons fait aujourd'hui et aussi de venir aider Amnesty International. Compris qu'il fallait plus de courage que de force pour faire la décalade. Et puis ça, du courage, moi, j'en ai. Alors, je vais faire face à mes peurs. Et dans le fond, j'ai du courage, je dis ça, mais c'est facile faire face à cette peur-là parce que c'est une peur que je choisis. Je choisis de faire face à cette peur-là. Et j'ai bien plus peur, j'ai une bien plus grande peur quand je pense à la dégradation des droits humains puis au manque de respect pour les droits humains que je vois partout sur la planète. Pour moi, c'est facile de faire face à cette peur-là parce que j'ai derrière moi toute une communauté d'amis et de familles qui me soutiennent par des contributions, par des dons, par des mots d'encouragement. Et puis, je sens qu'ils sont tous avec moi. Alors, ça me donne un courage, ça me donne la force qu'il faut. Et je voudrais que toutes les gens qui sont emprisonnés quelque part, qui sont privés des droits et libertés fondamentales, qui puissent sentir une communauté forte derrière eux aussi. Et ça, Amnesty International le fait très bien. Alors, tous les petits dons qu'on peut, toutes les petites contributions qu'on peut apporter à Amnesty International, ça sert un objectif plus grand que soi-même. Alors, je fais ça pour ça. Au début, j'avais vraiment peur. Surtout parce que tes pieds ne touchent pas le mur. Mais là, après ça, tu prends une grande respiration, puis tu te lances, puis tout le monde peut le faire. Là, c'est vraiment une bonne expérience. Je recommande à tout le monde de le faire au moins une fois. On est super heureux ici chez Amnesty International parce qu'aujourd'hui, ce grand défi, la décalade, a très bien réussi. La collecte de fonds a été vraiment superbe. Alors merci à tous, merci d'être venus et surtout merci aux donateurs d'avoir participé. Je veux faire pour les 43 étudiants qui ont disparu au Mexique et qu'on aimerait qu'ils reviennent vivants. C'est vraiment une bonne cause, ça vaut vraiment la peine.